I'm ready to do it, I can't be afraid now. Put me on the stage now, I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real, I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Lower the lights down. Hand over my crown. Hand over my heart. I do this for my town. I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Écoutez, regardez, Paris est champion de France. Christian Endler, Paris Saint-Germain. Estoy muy contenta y feliz de este nuevo reconocimiento. La verdad que es un premio muy importante para mí, el ganar en una liga tan competitiva, con muy buenas porteras, con muy buenos equipos. Es un honor y estoy muy contenta de recibir este premio este año. Para ser portero hay que ser fuerte mentalmente, hay que mantener la calma en los momentos difíciles, hay que apoyar al equipo en todo momento y creo que eso es una de las fortalezas que he ido mejorando durante los años. Creo que el juego aéreo y sin duda el uno contra uno son mis fortalezas más grandes. Chris Amur. Amur, meilleur gardien du monde pour moi. Ses qualités, du caractère, de la personnalité. Si aujourd'hui on en est là, elle est partie prenante de cette saison et depuis deux ans. Christian, c'est notre dernier rempart, mais un rempart infranchissable. Me gustaría agradecer por todo el apoyo siempre a los fans del equipo. Han estado constantemente ahí a pesar de que no se puede llevar público a los estadios, el apoyo se siente. Está muy, muy lindo. Supe que es reciclado, así que mejor todavía. Muchas gracias por el trofeo y espero que podamos seguir ganándolo en el futuro. Sandy Baltimore, Paris Saint-Germain. Je suis très contente et c'est une fierté. C'était l'un de mes objectifs. C'était dans un coin de ma tête, mais je ne me mettais pas plus de pression que ça. Je pense que j'ai passé un cap. Le coach il a décidé de me faire confiance en me faisant jouer. Oula, c'est bien fait ce ballon de Paredes et là il y a Sandy Baltimore. Avant, quand je jouais, je me retenais un peu, mais là je prends beaucoup plus de plaisir. Moi, j'aime bien dribbler, les petits passements de jambes, crochets. Mais je suis généreuse, je fais beaucoup de passes. Alors que je devrais tirer des fois, mais je fais des passes. Une saison hors norme. Hors norme, mais en même temps, tout à fait logique de par son évolution. Mais elle a eu une influence considérable tout au long de la saison. Ses qualités techniques, de percussion, à nous amener aussi sa fraîcheur, à la magnifique avenir. Déjà, j'aimerais remercier le club, mes coéquipières. On a quand même travaillé ensemble depuis des années. Le membre du staff aussi, pareil. Mes agents et ma famille qui ont toujours été derrière moi. Grâce Gueyoro, Paris Saint-Germain. Sur le moment, on ne s'est pas forcément rendu compte. C'est après, quand on a vu le but tout ensemble, on s'est dit « Ah ouais, c'est une très belle action collective. » Il
le but, il symbolise la saison. On est une équipe qui arrive à jouer ensemble avec beaucoup de simplicité. Ça part d'une récupération au milieu de terrain. C'est Sarah qui joue sur Marie. Après, on fait un double 1-2. Et puis après, j'arrive à crocheter le défenseur qui arrive et à terminer. Au départ, quand je marque, je suis juste contente parce que, voilà, c'est, comme je l'ai dit, c'était un petit espace où on a joué assez simple. Et après, je me pose pas de questions. Je fais un crochet sur la joueuse. Et je termine, voilà, ouverture plat du pied. Donc non, sur le moment, j'étais juste contente. Je pensais pas que ça allait être le plus beau but de la saison. Le Havre Athletic Club. Président. Je suis ravi de vous remettre ce trophée coup de cœur Arkema pour votre engagement citoyen. Félicitations et félicitations pour toutes les actions que vous menez au sein du club. Merci. Ça rejoint l'intégralité des efforts que le HAC fait depuis des années. On est un club professionnel, mais on doit être un club dans la ville. On doit être un club pour les jeunes filles et les garçons qui sont parfois dans des situations un peu difficiles. Nous essayons de les inclure au niveau de la scolarité, au niveau du football. Nous essayons d'en faire en sorte des citoyens et des citoyennes. Pour nous, c'était important de créer un trophée, on va dire, un peu plus sur un angle sociétal, pour récompenser un club qui s'investit sur des thématiques qui nous sont chères, qui sont chères à la Fédération française de foot, qui symbolisent bien l'ADN Arkema. L'inclusion, la place des femmes, le contact avec les jeunes, comment est-ce qu'un club réussit à être ancré dans son territoire local. C'est pour ça qu'on a créé le trophée coup de cœur Arkema en fait. Olivier Echouafny, Paris Saint-Germain. Faut pas le faire tomber. Hein. C'est un beau petit trophée. Il a été validé par l'ensemble des entraîneurs de la D1, par les capitaines de cette D1. Donc voilà, c'est toujours assez valorisant quand ça vient de ses pairs. Je trouve que c'est une belle chose pour tout le travail accompli depuis 3 ans, depuis que je suis ici, avec les joueuses, avec le staff, avec tous les staffs. Alors bien sûr, staff technique, mais aussi tous ceux qui sont à nos côtés au quotidien, au niveau du médical, au niveau de la logistique, au niveau des déplacements. Cette récompense-là, c'est aussi la leur. Et bien sûr, on ne peut pas oublier les joueuses qui sont partie prenante de tout ça. On avait beaucoup d'individualité au départ. Aujourd'hui, en plus de ces individualités, il y a une force collective qui s'est installée à l'intérieur de ça. Bien sûr, il y a le résultat, mais aussi il y a le contenu et la manière. Voilà ! C'est un travail de longue haleine. Quand j'étais joueur, j'avais toujours le souci du collectif. Depuis que je suis entraîneur, encore 2 fois plus, avec une exigence qui est de plus en plus élevée, de plus en plus forte. Aujourd'hui, c'est devenu une passion dévorante du quotidien, à vouloir faire grandir ces joueuses. Et puis surtout leur transmettre un petit peu ce que j'ai pu moi avoir pendant toutes ces années de joueur. Kadidiatou Diani, Paris Saint-Germain. Recevoir ce trophée, c'est une immense fierté pour moi, pour mes coéquipières, pour ma famille. Ça représente l'aboutissement d'un travail, l'aboutissement d'un collectif. Je me définirais comme une attaquante puissante et qui aime bien provoquer. Mon plus beau but de la saison, je dirais que c'est face à Issy-les-Moulineaux. On récupère un ballon, puis je fais une frappe du milieu de terrain presque. Et Diani va tenter l'homme, okay, elle l'a pas réussi tout à l'heure Diani, et cette fois c'est au fond. Ce qui me motive quand je rentre sur un terrain, c'est la victoire. Je vois pas d'autre issue, gagner le match, ensuite faire une bonne prestation, but, passe D, ça va avec. Kadi, depuis cette saison, elle a un statut qui est un petit peu différent. Elle a réussi à battre aussi ses statistiques personnelles. Elle réussit maintenant à marquer le but du pied gauche. Elle marque aussi de la tête, alors qu'avant, elle ne mettait pas forcément la tête. Et puis bon, là, c'est qualité de percussion que personne n'a dans ce championnat de France, voire en Europe, dans le duel. Le PSG, pour moi, c'est le club que j'ai toujours soutenu. Depuis mon plus jeune âge, dès que j'ai entendu parler du foot, c'était hop, PSG direct et pas une autre équipe. Je pense qu'on peut toujours progresser. J'ai 26 ans, je pense que j'ai encore une bonne marge de progression à faire. J'espère les atteindre dans les années à venir.
Pour ce trophée, j'aimerais remercier mes coéquipières, le staff, le club, ma famille, mon conseiller, qui ont eu un énorme impact sur moi. Donc j'aimerais les remercier tous. Christian Endler, Paris Saint-Germain. Élie Carpenter, Olympique Lyonnais. Wendy Renard, Olympique Lyonnais. Irène Paredes, Paris Saint-Germain. Sakina Karchaoui, Olympique Lyonnais. Grace Gueyoro, Paris Saint-Germain. Jennifer Marozan, Olympique Lyonnais. Sandy Baltimore, Paris Saint-Germain. Khadidia Toudiani, Paris Saint-Germain. Khadija Jacho, Girondins de Bordeaux. Marie-Antoinette Katoto, Paris Saint-Germain.